Comment ça se passe? Ça se passe bien, il y a pas mal de monde qui arrive, donc c'est très bien. Un peu stressé quand même. Aussi stressé que les comédiens. Mais bon, ça va aller. J'ai l'impression que je n'ai rien avalé.
Non, ça vous dérange si je filme en coulisses? Non, tu peux. Ils auront des souvenirs comme ça. Tiens, tu mets ta chemise. Hein. Ah, c'est mieux, mes vêtements. Enfin, les... Ça va, les petits acteurs? C'est super ce que vous faites. Merci, faut dire. Merci. C'est quoi que tu mènes le... Préparez-vous à signer des autographes après. Ouais, hein. De quoi? Préparez-vous à signer des autographes, c'est vrai. Oh non. Vous allez devenir des stars, hein. On va pas aller à Hollywood. Bon, vous en pensez? Comme Jean du Jardin. Au revoir. Si on était des stars, Dena, il serait dégueu à l'avoir. Non. Dylan. Ouais. Comment je peux... Et je prends pas le plat entier. Tu juste prends une assiette? Oui. Et je la fais tomber? Oui, si tu veux. Hey. Et toi, éteindre. Oh, vas-y, tu vas t'attendre. Mmh. Alors attends, musique. Normalement, elle a une petite feuille. En fait, j'ai une question. On va dire que c'est un Sophie. C'est ta note. Une Sophie, oui. Question. Comment je vais prendre les nez papillons? Je verrai attends. Ah, il faut que je te mette. Oh non! Je vais être moche. Non, tu vas être super beau. Tu vas faire mes rages. Oh là, mes jambes de papillon. Non, je ne veux pas le mettre. Tu rigoles pas, Marie? Ça m'étrange. Ouais, oh, déchire même pas. Ouais. Allez. Musique, et quand la musique finit, Océane, tu vas t'asseoir. Ok? Allez, c'est parti. C'est la première fois que tu fais du théâtre? Non. Ça fait combien de temps?
Avec moi, en plus. Il est fidèle au poste, Antonin. Et pourquoi tu as eu envie de faire du théâtre? Pour raconter? Parce que j'aime bien, puis mes parents aussi, ils en ont fait avant. Voilà. C'est chouette. Et puis avec le groupe de théâtre, ils étaient tous partis au Canada. Et puis ta sœur, elle fait des études de théâtre aussi? Non. Non, c'est pas ça? Juste maman m'a dit. Ah, on va mettre les gobelets. Alors attention, on va faire ça proprement. Je vais te les ramener et puis vous allez mettre les gobelets en triangle. Ah ouais, en triangle, c'est trop bien. Aldi. Aldi, juste de sélection. Alors, aïe. Je sais même pas si j'aurai assez de gobelets d'ailleurs. Bah, je peux en ramener. Alors, on en prend chacun un paquet, puis je... Oui, voilà, vous êtes trois. Alors vous comprenez comment il faut faire un triangle? Non. Vous faites comme ça, regardez. Je vous montre, je vous fais un exemple. Mettez les verres comme ça. Il y a trois tables, donc du coup, chacun sa table. Et moi, c'est celle-là du milieu. Et après, vous intercalez comme ça. Hop, vous faites un triangle. Et après, comme ça. D'accord? C'est bon? La table du salon, la table de la cuisine. Ou de la salle à manger, enfin bref, c'est la table. Peu importe l'endroit, il y a toujours une table. Pour qu'on petit déjeune, qu'on déjeune ou qu'on dîne. À empiler le linge quelquefois, à s'asseoir. Elle est indispensable à table familiale. À table. Soirée au juste.
J'ai pas très bien compris. Petit verre sur le zinc. C'était à 0 euro sur billet réduc. Bon, ça doit être une soirée cabaret. Cabaret? One man show, j'imagine. En bon français, on devrait dire des seuls sur scène. Oui, on est aussi les seuls dans la salle. Petit verre sur le zinc. Fais voir. Mais attends, c'est VERS ça. Ouais, t'as vu, c'est marqué. Le premier verre est offert. On va au spectacle, c'est gratuit. Ils nous payent un verre. Bientôt, ils nous redonneront de l'argent si on reste jusqu'au bout de la soirée. Qu'est-ce qu'ils foutent là, tous ces pigeons? Hein? Les pigeons, là. Pourquoi il y en a qu'en ville? C'est pas vraiment des animaux domestiques comme les chiens et les chats. C'est des oiseaux. Ils sont libres. Ils peuvent voler, eux. Pourquoi ils se barrent pas? Que veux-tu qu'ils aillent? Vous n'avez pas de soutien-gorge? Non. Pourquoi? Bah, d'habitude, vous en mettez un, non? Ah oui, mais je me suis dit qu'on allait vendredi, ce serait plus cool. Cool? Le Fridayware. Fridayware? Au steak, tous les vendredis, les cadres s'habillent un peu moins formels, propres, mais décontractés. Au steak? Sans soutien-gorge. Je peux vous parler franchement? Je me demande si franchement je préférais pas avant quand vous mettiez un soutien-gorge. Notre société a une image un peu guindée auprès de ses clients. Comme vous savez, tous des études un peu ringardes. Je me suis dit qu'en plus du nouveau catalogue, en adoptant le Fridayware, on serait plus dans le Louvre. Yo, va, 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 va,
tu regardes. Les résultats de l'auto, là, ils vont les afficher sur l'écran. Tu joues l'auto maintenant? Bah oui, j'ai eu envie d'essayer. Pourquoi pas? Combien la super cagnotte? 115 millions. 115 millions. Tu es en train de calculer combien ça fait en anciens francs. À partir d'une certaine somme, on n'a plus aucune référence. Quand on te dit qu'une étoile a 115 millions d'années-lumière, on ne te demande pas combien ça fait en miles ou en kilomètres. Ni combien ça te coûterait en gasoil pour y aller avec ta Twingo. Tu te rends compte, mon gagné. Plus besoin de se lever le lundi pour aller bosser. 365 jours de RTT par an. Ouais, tout plaqué. Tout? Qu'est-ce que tu ferais là si tu avais 115 millions d'euros? Enfin, 57 millions et demi. Attends, on n'est pas fait, hein? Pour le meilleur et pour le pire. À s'asseoir.